chers internautes, bienvenue dans ActuCiné, votre émission sur l'actualité du cinéma d'ici et d'ailleurs, qui met en lumière les sorties en salle, les réalisateurs et les acteurs. Alors sans plus attendre, allons à la découverte du sommaire. Aujourd'hui à l'affiche, nous avons You Will Die at 20, un film de Hamadj Abou Al-Alala. Au Soudan, province d'Al Jazeera de nos jours, peu après la naissance de Mozamil, le chef religieux du village prédit qu'il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant, ne pouvant pas supporter le poids de cette malédiction, s'enfuit. Sakina élève alors toute seule son fils, le couvant de toutes ses attentions. Le film a remporté plusieurs prix dont le Grand Prix au Festival de films d'Amiens en France et le prix au Festival de Carthage en Tunisie. Dans les coulisses, dans la nuit du 25 au 26 avril 2021, les Oscars ont récompensé le meilleur film des années 2020 et 2021. L'Oscar du meilleur film a été décerné à Nomadland et l'Oscar du meilleur acteur à Anthony Hopkins dans The Father, l'Oscar de la meilleure actrice à Frances McDormand dans Nomadland et l'Oscar de la meilleure réalisation à Chloé Zhao dans Nomadland. Comme sortie de la semaine, vous aurez Romance in Bamako, la série qui cartonne en ce moment à Bamako. C'est une réalisation de Sinka Youm Inns. C'est un film intéressant qu'ActuCiné vous invite à regarder. ActuCiné, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Soyez nombreux au rendez-vous de la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et nos chaînes de télépartenaires.